C'est une bien mauvaise nouvelle qu'a annoncé Classe Égale à HRL Michel Sarran à ses fans ce mardi 31 août 2021. À quelques mois du lancement de la saison 13 de Top Chef, il a révélé qu'il ne ferait pas partie de l'aventure avec ses pères Philippe et Chebest. Hélène de Rose et Paul Perret. La fin d'une belle histoire pour le chef 2 étoiles de 60 ans qui était aux commandes de la Brigade Jaune depuis 2015, soit depuis 7 longues années. D'après les informations du Parisien, c'est le chef Glenn Viel qui a été choisi pour le remplacer à l'écran au début de l'année 2022. À 41 ans, il est le plus jeune chef 3 étoiles en France et s'est construit une carrière très impressionnante dans le milieu culinaire. En 2020, il a d'ailleurs été élu chef de l'année par ses compères. Il possède le restaurant 3 étoiles Lousteau de Beaumanière, qui n'est autre que le tout premier relais et château créé en France en 1945 au Bout-de-Provence, Bouches-du-Rhône. Et il est connu pour sa cuisine révolutionnaire. Glenn Viel a en effet mis en place les cailloux d'assaisonnement. Il s'agit de concentrés de légumes ou de crustacés qu'il râpe sur les plats pour les assaisonner, et la cuisson par inertie. Glenn Viel est par ailleurs déjà familier avec l'émission Top Chef puisqu'il y est apparu déjà 3 fois dans la saison 12 pour challenger les candidats.